Salut, alors pour vous c'est la rentrée et pour nous eh bien on part en vacances. Donc, j'ai pensé que ce serait pas mal de vous partager ce trajet, c'est un long trajet. On va traverser la France en diagonale, on va le faire en Tesla Model 3. Aujourd'hui c'est garage, bagnole électrique et rock'n'roll. Garage, bagnole et rock'n'roll. Garage, bagnole et rock'n'roll. Garage, bagnole et rock'n'roll. Garage, bagnole et rock'n'roll. Alors premier truc, avant le départ, bien sûr, il faut charger la batterie à 100% pour des grands trajets comme ça, ne pas hésiter à la charger à 100%. En général, la batterie, je la recharge qu'à 80% pour une utilisation quotidienne. C'est meilleur pour la batterie de pas la charger à fond. Mais voilà, quand c'est l'éveil de grand départ, quand on a des grands trajets de prévu, il faut pas hésiter à la charger à 100%. On est bien à 100%, il est 4h17 du matin et ça m'annonce 466 km d'autonomie. Ouais, il y a une époque, c'était plus de 500 km d'autonomie, ça a baissé un petit peu. Ouais, j'en suis à 65 395 km. Donc j'utilise le petit connecteur mobile Tesla et je n'ai même pas de borne. Voilà, donc c'est juste branché là dans le garage, à l'arrache, ça passe sous ma porte. Bon, et alors le coffre est plein, plein de chez plein. Alors, on peut plus rien mettre de plus. Et ce coffre, il a une très bonne capacité. On peut vraiment en mettre beaucoup. Et il y a encore le coffre avant. Et on va être quatre adultes dans la voiture. Voilà, on est sur le point de partir. Donc il y a Rémi et Elio derrière. Mon épouse à côté que vous ne verrez pas. Première étape, c'est le superchargeur de Troyes à Saint-Pars-au-Tertre. Et on a combien de kilomètres? 282 kilomètres à faire. Et l'ordinateur nous prévoit une arrivée à 16%, mais ce sera beaucoup moins. Donc voilà le graphe de la consommation. On devrait arriver à 16%. Je pense que ce sera moins. Bon bah allez, c'est parti. Vous êtes prêts les gars? Ouais. Prêts à dormir? Ouais. Bonne nuit. Changement, il annonce une arrivée à 5%. Donc là, il nous demande de rouler à moins de 130 sur l'autoroute, mais on va pas le faire, on va rouler à 130 quand même. Les cartes GPS de la Tesla en général sont fausses. Là, il met la limitation à 90 alors qu'on est sur autoroute. Et c'est 130 ici. Alors, au niveau de la consommation, ça a changé. L'arrivée est maintenant prévue pour 7% de batterie. On est à 68% à 130 sur l'autoroute. Encore un petit souci avec les indications de limitation de vitesse. Elle nous met une limite à 110 km/h, soi-disant qu'il y a de la pluie, alors que ben il pleut pas du tout. Et elle a même pas mis les essuie-glaces en route, hein, je sais pas. Là on est bien à 130. Niveau consommation, l'estimation à l'arrivée est remontée à 8%. Mise à jour de l'estimation à l'arrivée, c'est 9% maintenant. Chauffage de la batterie pour la recharge. Nous voilà au superchargeur de 3. Allez, on va brancher. Il suffit de décrocher, d'appuyer sur le bouton et hop, c'est parti. On va descendre le niveau. Donc on nous annonce 25 minutes pour recharger. On était à combien là quand on est arrivé?
13%. Alors oui, c'était bien 13% de batterie qui restait. Donc vous voyez que on est parti, il estimait à 16%. Pendant le voyage, c'est tombé en dessous de 5% pour finalement arriver à 13%. Donc ces fluctuations dans l'évaluation de l'autonomie, ça met quand même un petit stress pendant le voyage. Hein. Des fois, on se dit, mais est-ce qu'on va arriver ou pas? Et puis finalement, ça se passe bien. Cette voiture a maintenant 3 ans et plus de 65 000 km. Et je suis assez content parce que la batterie n'a finalement pas trop perdu en capacité. Ce trajet, on le fait régulièrement et on arrive toujours ici à peu près avec un peu plus de 10% de batterie, comme ici, 13%. Et tôt le matin comme ça, il n'y a pas grand monde au superchargeur. Alors la prochaine étape, c'est Orléans. Superchargeur d'Orléans qui est à 214 km. Il nous reste encore un quart d'heure de recharge pour y aller. Et une année, on était ici et on a eu un message d'erreur comme quoi le superchargeur d'Orléans était indisponible. Et là, on a pris la décision de quitter l'autoroute parce qu'entre ici et Orléans, il n'y a aucun superchargeur. Hein. On est parti vers Auxerre, Bourges, Poitiers, etc. C'était pas marrant. Je vous raconte tout ce périple dans une série d'emails. Je vous mets le lien en dessous dans la description pour le recevoir. C'était notre premier grand voyage avec cette voiture et puis ça s'est pas super bien passé. Hein. Alors il y avait des circonstances aggravantes. Hein. On avait les vélos derrière, ça fait comme un parachute et tout. Donc c'est pas représentatif de la réalité. Voilà, donc là j'ai conduit plus de 2h30 et je vous avoue que je suis content de faire une pause. Hein. Ça a donc fait un peu plus de 200 km. Donc vous prenez ce que la voiture vous estime, vous le divisez par deux et puis vous avez la distance réelle que vous pouvez faire à 130 sur autoroute. On est rechargé à 77%, il n'est même pas encore 8h du matin et il nous prévoit une arrivée au superchargeur d'Orléans à 16% de batterie. Donc on y va, on débranche, c'est aussi facile que pour brancher, on appuie. Et on remet. Donc les bornes Tesla, elles tombent jamais en panne. Hein. Il n'y a pas d'écran tactile foireux ou de système de paiement qui marche plus. C'est débité directement sur votre compte Tesla. Et une recharge comme ça, de 13 à 77%, allez, ça va être dans les 12-13 euros. À l'arrivée, on nous estime maintenant 19%, donc ça a augmenté. Exactement 2 heures après, on arrive au superchargeur d'Orléans. Maintenant, tournez à droite sur Chemin des Sablons. Et on est à 18% restant. Et c'est planqué là-bas tout au fond. Première fois qu'on arrive, on se demande où on est. Hein. Il faut avoir confiance. Il faut aller tout au bout. Maintenant, tournez à gauche. Alors pour les vacances, ils ont mis en place des bornes temporaires. Ah, ils sont en train de les mettre en place en fait. Maintenant, votre destination se trouve sur votre gauche. Et donc c'est des bornes version 3. Je vais couper, je vais passer par les places parce que ils sont en train de les décharger du. Ils sont en train de les décharger du camion. Avec le Manitou. Alors est-ce qu'on peut se mettre là? J'espère que je ne vais pas les gêner. Et on branche. Sortez les gars ? Ouais. On va boire un coup ? Ouais. Faut qu'on se dépêche, on a que 20 minutes. Hein. Ouais, vas-y. Pas de pitié pour les croissants. Et ça y est, 10h16 et on est déjà assez de charge pour continuer. Ils nous annoncent 22% superchargeur de Poitiers. Et là-bas, ça y est, ils ont installé les nouveaux superchargeurs version 3, temporaire. Allez, on débranche. Maintenant, si l'autonomie est un souci pour vous avec votre voiture électrique, je vais vous donner un bon truc. Vous abandonnez votre famille au superchargeur.
bientôt à Poitiers, 25%, et on prévoit qu'on arrive à 23, donc on est large. Il faut sonner pour qu'on nous ouvre le portail. Donc là, on nous met un quart d'heure de recharge estimée. Ça va être short pour manger. Hein. Donc midi 15, 2 heures de conduite. Placement de produit. Et je te filme en train de faire tes rillettes. Effectivement, ça va tomber. Ouais. Avec les paquets de chaussettes. Sans juger. Le swag. Papa, ça va s'envoler. Tu peux pas poser quelque part? Non, mais pas mes trucs à moi. Moi, ça va, t'inquiète. Et résultat, j'ai rien fait tomber. Hein. Bravo. Bon alors voilà, midi 30, il y a assez pour continuer. Ça nous fait arriver à 31% vers Sainte. Et c'est le dernier stop recharge qu'on fait. Et il faut qu'on y aille là. Faut que je mange mon super sandwich emmental, chips, sans beurre, sans rien. Ok. Bon ben on attend qu'il termine son sandwich et puis on y va. Allez go. Donc à Poitiers Sud, il y a un nouveau superchargeur avec des bornes version 3. Il y en a une qui est en panne là et maintenant ça nous indique laquelle c'est. C'est la 2C. Donc voilà, si on veut recharger rapidement, c'est là qu'on ira. Voilà, 14h44, on est arrivé, il nous reste 27% de batterie. Donc ça nous a pris 10 heures pour faire ce trajet d'à peu près 900 km avec des arrêts toutes les 2 heures. Moi ça me convient bien, hein, ça me permet d'arriver pas fatigué. Avec en plus l'autopilote, c'est vraiment super cool quoi. Au niveau des conditions de trajet, bah là vous voyez, hein, il fait super beau, il fait chaud, donc on avait la clim à fond. Le vent était soit de côté, soit derrière nous. Et puis la circulation était fluide. 900 km avec seulement 3 arrêts pour les superchargeurs. Le coût en énergie a été donc très faible. En tout cas, on a payé moins en énergie qu'en péage d'autoroute. Alors ce trajet-là s'est très bien passé. Je vous rappelle que notre premier trajet comme ça s'était très mal passé. Je peux vous envoyer toute l'histoire par email. Vous trouverez le lien en description pour vous inscrire. C'est un email par jour pendant 3 ou 4 jours. Et puis à la fin, le dernier email, je vous fais un petit calcul au niveau consommation, ce que ça donne de rouler en électrique. Donc là, je vous partage mon expérience de ce que j'ai et ce que je connais, c'est-à-dire la Tesla Model 3 et le réseau de superchargeurs Tesla. Si vous avez une autre expérience avec une autre marque de voiture, d'autres réseaux de recharge, Ionity, etc., n'hésitez pas à la partager en dessous en commentaire. Ça intéressera les gens qui regardent cette vidéo. Je vous souhaite à tous une très bonne rentrée. Pour nous, c'est les vacances. En attendant qu'on se revoie, je vous laisse ici une playlist. C'est la playlist pour faire l'entretien de sa Tesla Model 3 soi-même. En dessous, un super épisode que YouTube a sélectionné pour vous. Moi, c'est François. Je vous dis à la prochaine sur Garage Bagnole et Rock'n'Roll. J'ai toujours rêvé de faire ça.